YouTube, salut! Tu m'as demandé Argot 52, c'est la nouvelle. Je me suis connecté à ton ordinateur, Show H. Je vais enfin divulguer au monde entier que tu es un cheater. Après multitude de DDoS et de piratage brute force, je me suis connecté à ton ordinateur lorsque tu étais en train de te balader et chasser les Pokémon avec Micheline. J'ai pu trouver des choses très intéressantes sur les 30 derniers jours de jeux vidéo Warzone. Tu utilises notamment des cheats comme le AIMBOT.exe, le INR.exe, ou encore le Noscope est celui que tu préfères. Le TrigerLock.exe. Il est temps de dire la vérité à ce monde. Je proviens du site TikTok.fr et on va analyser ensemble comment tu as dupé la plupart de tes ultras. Comme je l'ai précédemment dit, j'ai pu récupérer des informations et des clips très intéressants sur ta personne, Showash. On va commencer avec le premier clip, AIMBOT.exe. Tire, on est en 2 contre 2. Je me place direct. Oh, oh, mais qu'est-ce que c'était ça? Revenons un petit peu en arrière. Regardez, regardez. Showash. Mon AIMBOT est grillé. Bon. Regardez! Il vient à travers l'arbre. Aurait-il en possession un tri.exe? On passe sur le second cheat. Le INR.exe. Un cheat qu'il a téléchargé sur nanoum.net. Un abonné vient de lui donner 25 subs. Je vais me diriger dans la direction. Il continue à lui donner de l'argent alors qu'il cheat. Et pour lui répondre, il va utiliser son INR.exe. Regardez bien. Avec son voilà qui repère la personne, appuie sur la touche F3 de son clavier. Regardez bien, ça va être très rapide. F3, 3-6. C'est tellement facile. Accomplir son devoir, c'est très facile quand on cheat. Showash. Un deuxième exemple de INR, j'en ai 3. Ça veut dire longue vie, frérot. Accompagné de Norbibi et Hichem. Ces deux amis cheaters aussi. Tous des cheaters. La touche F3 comme par magie. Regardez, aucune réaction à son visage. On passe à l'INR numéro 3, dixième du nom. Toujours la même façon. Il repère la personne avec son wallack. Il se prépare, regardez bien son visage. Hop, on a vu le mouvement de main. La touche F3. C'est tellement facile quand on cheat. Showash. Je vais vous montrer la preuve ultime que Showash est un cheater. Regardez bien sur la vidéo setup qu'il a sorti il y a quelques mois. Je vais lancer la vidéo et vous allez me dire si vous trouvez la preuve. Maintenant Didier. Salut. Ça va ou quoi? Ça va et toi mec? Ça ressemble à une vidéo setup ça, la boule. Ouais. Ça ressemble quoi à une... Regardez bien. Je vais vous montrer avec ma souris. Qu'est-ce que c'est ça? Une clé USB branchée avec un câble rouge en USB 3.0 reliée directement à sa machine. Showash. Ah, ils l'ont demandé frérot, ils l'ont demandé sur YouTube. Hein. Tu viens de te griller tout seul Showash. Avec ton visage d'ange, au final, il y a un diable à l'intérieur de toi. On va pouvoir même avoir un plan plus près de cette clé USB. Shit! Je vais vous montrer. Regardez bien! Je reviens en arrière. Frame par frame. Regardez bien! Vous pensez que c'est une clé USB Cam Link, mais c'est juste un sticker qu'il y a dessus. Surtout que le câble rouge possède un transfert de données extraordinaire à plus de 86 kilooctets par seconde. Il est vraiment... Mais regardez-moi ce cheater Showash. Là, il appuie sur la touche F4. BOUM!
On va faire frame by frame. Regardez! Il a même pas tiré sur le personnage! Je reviens derrière. Regardez encore une fois! On va faire frame by frame. C'est n'importe quoi! Vous êtes pas dupes quand même! Ah. Le même shit, ce shit-là s'appelle noscope.exe. Il va même lui permettre de faire ce genre de dinguerie. Regardez bien. Chosh, ne fais pas l'étonner. Quand on appuie sur la touche F4, c'est très facile. Et enfin, pour terminer cette vidéo, qui va être publiée sur sa chaîne, car j'ai pu brute force tous les mots de passe. Le Trigger Lock, c'est quoi? C'est un logiciel qui vous permet d'appuyer sur la touche F5 et de viser automatiquement le personnage. Ce n'est pas comme la Yembot qui vise directement tout seul lors de l'apparition de l'ennemi. Là, ça va être une touche. C'est encore plus... Ah, regardez bien. ...100% de précision. Regardez! Ce n'est pas possible. Nerf au snipe. Regardez! Elle avait fait semblant de tirer à côté à la fin. Cette fois-ci sur Iberf Island. Regardez! Là! Vous avez vu? Vous avez vu? Regardez bien! Je vais vous faire un arrêt sur image. Flash. C'est pas terminé. Regarde. Mais non. Il est vraiment trop bien, ce truc de fou. N'importe quoi. Il y a deux questions que je me pose sur ces clips. Comment il a entendu le personnage derrière? Et de deux, espèce de petit rat. D'où provient son crosshair placement? Ça se passe de commentaires. Cette fois-ci, dans ce clip, il joue avec son meilleur ami Rockstar, alias Beboul. Bebou, j'ai l'autre! J'ai l'autre Bebou! Tellement jaloux que son meilleur ami tue l'ennemi dans les airs. Il active la touche encore une fois Trigger Lock. Bebou, j'ai l'autre! C'était tellement loin, c'était pas affiché, gros! Ouais, c'était pas affiché. Et moi, je vais afficher ton shit au monde entier, Shoh. Je 3-6 ou pas, frérot? C'est toi qui joues avec lui. Fais pas l'air étonné, Shoh. Ah, je tu prends tout le monde pour des concombres. Celui-là, regardez. Je lis pas les chaînes. J'ai eu les deux. Ah, j'ai eu celui sur qui t'as tiré aussi. Oh, merde. Ouais. Ça... Zimmer, Norby. Regardez! Et avant de passer au dernier clip, il faut savoir que ces clips-là ont été récupérés sur les 30 derniers jours. Car il a supprimé tous les anciens clips. Pourquoi? Pour soi-disant une histoire de droit d'auteur. F3. N'importe quoi! Maintenant, grâce à ces suspicions, toute la communauté de TikTok.fr est au courant, Shoh. Grâce à ce piratage de données, j'ai mis les preuves en évidence. Le shit in-air.exe, l'imbot.exe, et surtout cette clé USB que tu possèdes dans la vidéo setup. Shoh, ce fut un plaisir. Bon chance.